Salut Rachel. Écoute, j'ai pas aimé ça comment on s'est laissé à la clinique, là. T'as vraiment pas à être jalouse de Nathalie Lucier. C'est un malentendu. J'aimerais ça que tu me rappelles, s'il te plaît. Bye. Croquette bio. Sans additif, sans préservatif, parfumée à l'indienne. Avec ça, ton chien pas de nom fera jamais de cancer de l'intestin. Qu'est-ce que tu penses de Gaston? Le frère de mon père s'appelait comme ça, c'était mon nom préféré. Mm-hmm. Tu trouves pas qu'il y a une face de Gaston? Oui, oui, oui. Ah oui, as-tu des plans pour ce soir? Il y a ma soeur Sylvie qui nous invite à souper. Ma mère, mes deux soeurs aussi sont invitées, j'arrête pas de leur parler de toi. Oh, ben ça tombe mal. J'ai un meeting chez Pangex, ça risque de finir tard. Ah non, mais je peux remettre ça avec ma soeur, hein? Je peux te préparer quelque chose à manger. Tiens, un osso buco, hein? La dernière fois, t'avais aimé ça? C'est pas parce que j'ai aimé ça une fois qu'on est toujours obligé de manger la même chose. OK, ben je te fais mon lapin au pruneau. Tu me dis à quelle heure tu finis, puis je m'arrange pour que ce soit prêt. Maman, des fois, j'aimerais ça que... Que? On n'est pas obligé de toujours tout prévoir. Hein? Ah, tu veux dire improviser? Ah non, mais j'aime ça, improviser. Faut juste que je le sache un petit peu d'avance. Change pas tes plans pour moi. Va souper chez ta sœur. Si, si je me libérais, c'est tout, je te rappelle. OK. Oh, j'en reviens pas. C'est toi qui as tout préparé ça. Pour moi. Ben, on s'est dit qu'après 22 heures de vol puis de la bouffe d'avion, t'aurais envie de manger quelque chose qui goûte pas le caoutchouc. C'est gentil, mais j'ai pas faim. Vous en êtes occupé. Elle a l'air super en forme, hein, merci. Pis, comment c'était? Tu allais voir la Grande Muraille? Ah ouais. C'est vrai que tout le monde là-bas se promène en bicyclette? Coudon, as-tu peur qu'elle reparte? Là, dis le temps d'arriver. Je vais tout vous raconter ça. Puis vous deux? Super cool. On a fait plein d'activités, puis on est même allé voir deux films ensemble. Ben ouais, c'est bien occupé de moi. Il m'a fait des crêpes tous les matins. Je suis très contente. Bon, ben écoute, je vais y aller. Moi, je vais te laisser te reposer. Je me suis loué une chambre à l'hôtel Excellence en attendant de trouver un appartement. Tu as l'air en forme? Ouais, j'ai perdu presque 10 livres. Je suis sur une liste d'attente pour un pacemaker. Quand ils vont me l'avoir installé, je vais pouvoir recommencer à opérer. Ah. C'est drôle, hein? Il faut vraiment avoir peur de perdre quelque chose pour réaliser à quel point c'est précieux. Rosélie Tremblay, elle se fait opérer bientôt? Demain. On vient de recevoir le chèque de Denise Deslauriers pour le sein qui n'est pas couvert par l'assurance maladie. C'est magnifique. Ce qu'elle a fait, hein? Non. Ce que toi, t'as réussi. La culpabiliser au point qu'elle se sente obligée de réparer le tort qu'elle nous a fait. Je pense qu'elle a été sérieusement touchée par Rosélie. Un chèque, c'est juste de l'argent, hein? On parle pas d'une implication émotive ou une présence. Je te remercie, Elisabeth. C'est tout? Non. Il y a Pascal Jarry aussi qui a téléphoné pour son deuxième rendez-vous. Il a l'air pressé. Es-tu toujours d'accord pour qu'on lui fasse voir un psychologue? Oui, c'est un oui. Même je te l'ai dit parce que Gaston gémissait dans le placard. Écoute, j'ai peut-être quelqu'un. Tu veux que je m'en occupe? Moi, c'est une race avec laquelle j'ai bien de la misère. Je te fais entièrement confiance. Merci. C'est pour toi. Ça doit être Manuela. Pourquoi tu fais ça, là? C'est peut-être une bonne nouvelle? Oui, c'est peut-être une invitation à son mariage aussi. Bon. Si tu l'ouvres pas tout de suite, tu vas passer la journée à te demander ce que t'as écrit. C'est vrai. Plus le temps passe et plus j'ai peur de ce que je vais trouver à l'intérieur de ces lettres. Puis? Elle-même. Elle dit qu'elle s'ennuie de moi. Et qu'elle veut venir ici. Ah, on s'écherait dû pour une bonne nouvelle. Micheline, elle a encore rien fait? J'ai donné 48 heures. On croise les doigts. Si je comprends pas pourquoi Elisabeth, elle veut que toi, tu lui rembourses les 3 000 $. Ouais? Jean Simard?
Bernard Morel à l'appareil. Je sais. J'ai vu Clinique Juvence sur l'afficheur. Écoute, je sais que t'es psychologue spécialiste de l'image corporelle. J'ai lu quelques-uns de tes articles. Puis là, ben, on a un drôle de cas à la clinique présentement. Est-ce que t'accepterais de le voir en consultation? Pourquoi moi? Ben, parce que je sais que t'aimes les casse-têtes, puis celui que je te propose, c'est un 5000 morceaux. Je fais pas de personnages, juste des paysages. Ben, pense-y. Puis, oui, c'est vrai, c'est un prétexte. J'aimerais bien ça te rencontrer. Bye. So, je vous écoute. Tout va bien, sauf quelques petits détails. Il a été question que le docteur Provencher soit à porte-parole pour le Juvox. Ça risque d'avoir un méga impact. On est d'accord là-dessus? Pangex a vraiment investi beaucoup d'argent, hein? Pour dédommager vos clients, pour organiser une campagne de promotion monstre. C'est pas suffisant. Ce que je veux, c'est l'exclusivité du Juvox pour les deux premières années. Toutes les clientes qui voudront se faire prescrire du Botox sans injection pourront le faire uniquement à Juvence. Vous avez vraiment du front tout le tour de la tête, hein? D'habitude, ça plaît aux hommes. La business, c'est comme le désir. Il faut que les deux y trouvent leur compte. Le docteur Provencher est prêt à vous rencontrer quand vous voulez. Le plus tôt serait mieux. Alors, je l'ai déjà dit, les Québécoises sont impudiques. Et j'aime ça. Tellement beau tous les deux, là. Pour moi, c'est ça l'image du bonheur. J'ai commencé à chercher pour une gardienne. Je rencontre une couple de filles demain. Ben, si tu veux, je peux en parler à Solange. Non. Ça lui ferait. C'est ma responsabilité. C'était pas à t'en occuper. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé dans toi, clinique. Nathalie Lucie a fantasmé sur moi sens unique. Tu vois, ce qui est vide de ce temps-ci, c'est que tu t'attendris toujours sur moi puis William. Je suis pas juste une mère, Bernard. Je sais qu'il faut s'occuper de nous deux aussi. Bien, si tu veux, on va coucher William, puis après, on se fait un petit souper romantique. Ça tombe bien, Roxane dort chez Ariel. On va avoir la maison pour nous tous. C'est quoi? Un autre cadeau d'une patiente? Oh, Rachel. Sexy folie. C'est quoi ça? Peut-être pas nécessaire non plus. Non, non, c'est bon, c'est bon. Mettez de la crème fouettée dans le cou de votre partenaire et léchez langoureusement. Ça tombe bien, on en a. Qu'est-ce que tu fais, là? Faut mettre ça pas. Non. Non. Oh, quand même. Quand même. Oh. Non. Non. Hey. Rachel. Exactement comment tu dois te sentir, hein? T'es tout coincé, t'as plus de liberté. Moi aussi, des fois, je me sens comme ça. Et promis, je te laisserai plus attendre aussi longtemps. C'est la faute à Monsieur O'Neill. Quand c'est électrique, là, on veut plus s'en aller. Juste un téléphone. Mmh.
Normand. Écoute, finalement, ça marchera pas pour ce soir. J'ai un meeting avec Jean-Marc et la gang de Jouvox. Puis on va finir tard, fait que je pense que c'est mieux qu'on tombe chacun chez nous. Hein. OK. Bisous. Bonne nuit. Oui, 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 oui. Tiens. C'est ce que j'ai trouvé de mieux comme kimono. Je sais pas si tu vas l'utiliser pour faire du karaté, là, mais... Je le mettrai en sortant de la douche. Si tu le mets pas, tu me le prêteras. T'es-tu ennuyé de moi? Hein? J'ai pensé à toi. Tous les jours. T'es pas trop fâché d'avoir été obligé de revenir à cause de mes conneries de vandalisme? Je suis ta mère, c'est normal que je sois là. Je t'aime, je vais toujours t'aimer. Même si tu fais des niaiseries. Puis pas. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Tu l'aimes quand même? C'est sûr que je l'aime. On ne peut pas arrêter d'aimer. C'est quoi ça? La nouvelle guitare électrique. Assez longtemps que je la voyais dans la vitrine. Donne-moi ça. Et tu te l'as acheté avec quel argent? Ben, même principe que pour toi hier. Acheter maintenant, payer dans un an. Tu penses que tu vas avoir plus d'argent dans un an? Je pourrais difficilement en avoir moins. Inquiète-toi pas pour moi. Quand je vais en jouer tout à l'heure, tu vas comprendre. Un son comme ça, là, ça vaut bien les sacrifices. Parce que tu vas jouer ça ici? Ah oui? À l'appartement. Il y a des projets avec Boom Boom. On a déjà mis ensemble chez Bernard, puis on a eu du fun comme avant. J'ai l'impression d'avoir trouvé le feeling, moi. Le syndrome Mick Jagger. Bienvenue dans la crise de la soixantaine. Tu appelles ça une crise, toi? Moi, j'appelle ça une renaissance. Pur bonheur. Hey, c'est à moi, puis j'ai une carte. C'est à moi. Lancer les dés. Et un d'eux correspond à une pièce et l'autre à une position sexuelle. Ah. Amusez-vous pendant 3 minutes. 3 minutes? Oui. C'est long, ça, 3 minutes. Qu'est-ce que j'aime de ce jeu-là? Non. C'est que ça laisse tellement de place à la spontanéité. Attends, il fait juste signer, là, il va se rendormir. Mais on va pas laisser pleurer, là. Je l'ai même pas réveillé. Mais là, voyons, Rachel. Attends, je te dis. Tu sais quoi, le problème? Non, c'est quoi? J'ai peur de ressembler à mon père. Je comprends pas. Mon père était courageux, il a trompé ma mère. J'ai juste peur d'y ressembler, puis ça me sort pas de la tête. Mais t'es pas ton père. En ses qualités, pas ses défauts. Hey! La libido de ton père, là, c'est sa vitalité aussi. Si à son âge, t'as encore une étincelle dans les yeux, là, ben moi, je vais être bien contente. Larson, c'est le meilleur photographe en ville. Normalement, ça prend 3 mois pour avoir un rendez-vous avec lui, mais je le connais personnellement. Ah ben moi, tout ce que je veux, c'est que ma photo ressemble pas à une notice nécologique. Pour le reste, il y a les entrevues, les articles. Ah ben tout est beau. Ça, ça va me charger de mes consultations médicales. Alors c'est tout, on a fait le tour. Savez-vous que les médecins m'impressionnent beaucoup, particulièrement les chirurgiens. Ben, là. Ah, tu devrais pas. Moi, mes héros, c'est les joueurs de football. Moi aussi, je tripe football. J'étais la capitaine de l'équipe de flag football à l'université. Oh, pour moi, la chose la plus intéressante, c'est les petites fesses rondes des joueurs. Non, mais tu dois être une fan des Patriots. Les Steelers de Pittsburgh. J'adore les équipes qui blitzent pour mettre la pression sur les carrières. Ah! Non.
Wow! Est-ce que je suis en train de me faire une partner pour l'automne prochain? N'importe quand. Je fournis la bière et les nachos. Il est encore tôt. Voulez-vous qu'on aille continuer notre discussion ailleurs? Ah, ben, bonne idée. Mais, non, je peux pas. Non, parce que, vois-tu, je suis en pleine désintoxication et puis ça avait bien commencé, alors je voudrais pas faire de rechute. Mais merci pour la belle soirée. C'est vrai, tu tripes football? Moi non, lui oui. Mais j'ai quasiment embarqué. J'ai même cru que tu tripais sur lui. Il y a toutes sortes de raisons pour coucher avec quelqu'un. L'amour, c'est la dernière sur ma liste. T'aurais fait ça? Pas toi? Ben, j'ai toutes sortes de raisons de coucher avec quelqu'un, mais l'ambition, c'est la dernière sur ma liste. Chacun ses priorités. La dernière fois, j'aurais pas dû donner ma carte. J'aurais dû prendre ton numéro de téléphone. Pas grand monde qui a mon cellulaire. Mon dentiste, mes parents, puis mon chum. Ah ouais, je le vois d'ici. Beau gars, bon job, bon amant. Mais il travaille trop puis il donne pas assez d'attention. C'est le contraire, il m'en donne trop. Ah ben trop, c'est comme pas assez. Hein. Pas de challenge, c'est comme si tout était gagné d'avance. Tu connais ça, toi? Pourquoi tu penses que je fais du parachute? C'est le meilleur des deux mondes. Un gros boost d'adrénaline, puis un bel atterrissage en douceur. Mmh. C'est exactement ça que je cherche. Le meilleur des deux mondes. Le confort d'un amoureux, puis le thrill de l'aventure. Mmh. Est-ce que tu réussis ça souvent, toi? Le meilleur des deux mondes? Ah, je me débrouille. J'arrive des îles de la Madeleine. J'étais à la pêche au homard. Tu sais comment ça marche, un piège à homard? Tu mets un pot de beurre à l'ail dans le fond de la cage. Non, un morceau de hareng. L'odeur du poisson l'attire. Le homard peut rentrer, mais il peut pas sortir. Je reste à dormir chez toi. Est-ce que tu vas me laisser sortir demain matin? Flash écœurant. Il fallait que je me lève là, pour les noter. Hey, ça fait des années que j'ai pas composé. Non, viens, je vais te lire ça. Non, c'est pas encore au point, là, mais écoute ça. Viens. Ton volcan transpire. Ma lumière suffoque. Ta lave respire ma nature morte. Jusqu'au dernier souffle de nos baisers. Assez solide comme Flash, hein? Bon, c'est sûr, ça prendrait une dizaine de tonnes de faire un album, mais ça, ben, c'est un début. Tu pourrais pas remettre ça à demain. Ça fait des années que je suis paralysé. On dirait que d'avoir retrouvé Bernard, ça m'a comme réveillé. Mais... Allô, mon amour.
quelle nuit! Quelle nuit, si tu savais comment ça fait du bien! Oh! Mmh. C'est quoi la différence entre les chiens et les êtres humains? Hein? Vous autres, un seul maître, ça vous suffit. J'espère que ta rencontre s'est bien passée. Moi, je m'en vais me coucher. Je veux juste te souhaiter bonne nuit. Je t'embrasse. Bye. Viens. On va aller prendre une marche. Tu m'as dormi? J'ai très bien dormi. On commence? Quand tu veux. Salut les amoureux. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je déjeune avant d'aller à l'école. J'ai un problème avec ça. Tu dormais pas chez Ariel, toi? Non, finalement, on a terminé notre projet plus tôt. Fait que, je suis retournée dormir à la maison. Ah. As-tu bien dormi? Bah. À un moment, je pensais qu'il y avait un tremblement de terre, mais dans ça. Hein? Oui, c'est. Maman? Quoi? C'est normal de faire l'amour, mais il y a juste une chose. Il n'y a plus de crème fouettée, c'est bon? Qu'est-ce que tu fais? C'est une nouvelle danse? Non, ça, c'est un protomètre. Ça calcule les pas que je fais dans la journée. Là, il me reste 6, 5, 4, 3, 2, 1 pas avant d'avoir atteint mon quota du matin. C'est ton médecin qui t'a recommandé ça? Ben, je suis encore sur la liste d'attente pour le pacemaker. Alors, plus je vais être en forme, mieux ça va se passer. T'as du stress? Il y a plein de choses qui me stressent. Comment ça s'est passé avec Louise? Le feu n'est pas encore éteint. Je l'ai vu dans ses yeux. Mm. J'ai l'impression qu'en soufflant un petit peu sur la braise, ça pourrait reprendre. Et puis toi, de ton côté? Ben, je commence à résister aux tentations. C'est à peu près temps. Mm. C'est sûr que courir les aventures à 30 ou 40 ans, c'est dans la nature des choses. Mais à mon âge, ça commence à devenir pathétique. Jean-Marc, si jamais tu parles à Normand, on a eu un meeting ensemble hier soir, puis ça s'est terminé tard. Ah! Le chasseur est allé poser ses collets. Je suis bien avec lui, mais j'ai le sentiment d'étouffer. Il faut que je prenne de l'air. Tu sais ce que tu risques? C'est toi qui me dis ça? Oui, oui. Justement, je sais de quoi je parle. Des fois, ça peut coûter très cher. En plus, Normand, c'est le meilleur anesthésiste en ville. C'est un foutu bon gars, alors essaye de pas trop casser d'œuf quand tu vas faire ton omelette. Merci. Je suis tellement contente de te voir. Moi aussi, ça l'arrange. Ça fait longtemps que t'es arrivée. Non, j'arrive. J'ai hâte de te voir. Tiens, j'ai pensé à Jérémy. C'est bien pire. Oh! Il va être super cute là-dedans. C'est bien beau. J'ai reçu ta carte postale. Mm-hmm. Ça m'a fait plaisir. Ton voyage te fait du bien? Oh, beaucoup. J'ai encore un peu la tête là-bas. Je voulais m'excuser, j'ai pas été correcte avec Louis, toi. Oui, c'est pas nécessaire. Non, Justine. T'étais dans une position délicate, puis j'étais obligée de dire la vérité. Je me suis défoulée sur toi, mais c'était contre Jean-Marc que j'étais fâchée. Moi aussi, je veux m'excuser. J'aurais jamais dû garder un secret comme ça aussi longtemps. Mais j'étais fâchée contre moi aussi. Tu sais, j'ai fermé les yeux sur ces infidélités. J'ai pris des antidépresseurs pour rien voir. Je ferai plus jamais ça. Tu me pardonnes? Ma grande amie. Depuis 20 ans. Je peux pas mettre une croix là-dessus. Si on n'était plus des amis, là, faudrait que j'en cherche une exactement pareille comme toi pour te remplacer. Ça me fait tellement plaisir. Oh.
peur maintenant? Écoutez, je suis encore désolé de vous avoir menti. Tiens, c'est pour toi. Comment, Alice? 10 000 $. C'est pas ça que t'as dit qu'il te manquait pour faire sortir ta Manuela de Cuba? Les petites coupures, ça passe inaperçu, puis, ben, l'argent américain, c'est bon partout. Écoutez, je peux pas accepter. Non, non. Non, non, non. Cet argent-là, je l'ai sorti pour toi, je repars pas avec, c'est certain. Écoutez, pourquoi vous faites ça? Parce que les gens qui s'aiment ne devraient jamais être séparés. Écoutez, on se connaît à peine. J'ai pas mal d'argent, puis pas assez de gens à aimer. Je trouve qu'avec toi, il est bien dépensé. Écoutez, ça va me prendre un temps fou avant de pouvoir vous rembourser. Hey, on rembourse pour un cadeau. Gracias. Pourquoi vous me dites que vous n'avez pas assez de gens à aimer? Parce que quand on a du mal à dévoiler ses sentiments, ben on vit juste des relations superficielles avec les autres. On reste sur sa faim, puis on se sent seul. Et vous avez de la difficulté à dévoiler vos sentiments? C'est pas facile pour tout le monde d'être transparent. Il y en a qui ont des secrets plus lourds à porter. Mais je travaille là-dessus, Carlo. Ouais. Je travaille là-dessus. Bien. Macha, je m'en vais en salle d'op. Peux-tu prendre mes messages pour une heure? C'est parfait, docteur Morel. Bernard Morel. Je peux vous aider? Vous m'avez déjà dragué dans un bar, je vous ai giflé. Vous vous en souvenez pas? Vous devez vous tromper. Ça fait bien longtemps que j'ai dragué dans un bar. Jane. Jane? Je viens pour rencontrer Pascal Jarry. Oui. Écoute, le docteur Provencher va s'occuper de toi. Je suis en retard pour la salle d'op, mais on se parle après. Oui, parfait. Moi aussi, j'ai des choses à dire. OK, super. Le rouge ou le Brigitte Bardot? La crème fouettée. La crème fouettée? Wow! Je l'imaginais pas mal plus nature que ça, ton docteur Frankenstein. Chanceuse. L'imagination est revenue. Moi, c'est le contraire avec mon cher voisin. Il essaie de me convaincre de faire l'amour à trois. Avec un autre gars? Non, avec une autre femme. Mm. Pour un gars, c'est la seule relation à trois qui existe. Bonjour, Rachel. Hey, allô, Peter. Annette, qu'est-ce que tu disais sur les relations à trois? Je parlais de bobsleigh à trois. Mm. À quel point c'est difficile de faire un team solide. Mm-hmm, le bobsleigh. Il paraît que c'est très populaire au Canada. Hein? Ah, ben c'est pas mal international. Peter, on avait rendez-vous. Oui, justement. En tout cas, tu m'en reparleras. J'adore le bobsleigh. Le bobsleigh. Le docteur Fizette s'en vient, c'est lui qui va t'endormir. Y a-t-il un endroit que t'aimes particulièrement? Le chalet de ma tante Simone. Tu penseras à ça. Ça va te faire des belles images dans la tête. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Madame Deslauriers. Ah, c'est une surprise de vous voir ici. C'est un grand moment pour Rosalie. Et pour moi. Samedi, si t'es en forme, on ira te magasiner un beau maillot de bain. Pas toi qui me dis que ça fait des années que t'es pas allée te baigner? Oui. Payer, c'est une chose. Mais voir le bonheur dans les yeux de quelqu'un, ça n'a pas de prix. Je vais aller voler chez Micheline Fargo. Son téléphone a été déconnecté. Quoi, l'a déménagé? On dirait. Ma petite menace n'aura servi à rien, sauf à me faire du bien. Avec tout cet argent-là? C'est Maître Roule qui me l'a donné. Pour Manuel. Il t'a donné ça, comme ça, sans rien te demander en retour. Il est riche, c'est ton avocat? Mais là, je veux pas être rabat-joie, Carlo, mais peut-être que. Il serait pas en amour avec toi? Mais pour favor, il a une femme et des enfants. Mais il y avait. Voyons, on donne pas de l'argent à quelqu'un comme ça sans avoir quelque chose derrière la tête. Tu penses à quoi, là?
Mais... t'es jeune, t'es beau. Arrête, Solange. Je veux croire qu'il existe encore des gens avec des sentiments purs. La preuve, c'est pour l'argent que tu vas devoir rembourser, Elisabeth. Non. Ça, c'est l'argent pour Manuela. J'ai dit que je m'arrangerai à ma manière, puis c'est ce que je vais faire. Non. Solange, avec ce que j'ai ramassé déjà avant et ce qui reste, j'en ai assez. Allez, garde-le, s'il te plaît. Ça me fait plaisir. Comme ça, t'es professeur de tennis? Ouais. T'as l'air d'un gars en forme. C'est sûr. C'est quoi ton meilleur coup? C'était psy, pourquoi tu me parles de mon tennis? Je veux juste apprendre à te connaître un petit peu. Y a-t-il quelque chose qui te rend mal à l'aise là-dedans? Je maîtrise tous mes coups. Tu vas chercher combien de kilomètres heure avec ton service? Au moins 40? 50? Des fois, j'atteins 55. Ça me surprend pas, avec ta carrure. Moi aussi, je suis pas mal forte. On fait-tu un petit tir au poignet, pour le fun? Mais t'es sûre que t'es psy, toi? Veux-tu voir mon diplôme? Juste pour s'amuser, je veux voir à quel point tu vas me planter. J'ai peur de te faire mal. Comme tu veux. On va continuer de jaser un peu, mais avant, je vais te laisser seule quelques minutes. Avec la plastine, j'aimerais ça que tu fasses un petit bonhomme qui te représente. C'est une joke, ça? Du tout. Que Rachel voulait voir Peter. T'es pas au courant? T'en viens travailler. Oups. Je suis désolée de te l'avoir annoncé bête de même. T'aurais aimé rester. C'est sûr, je sens que j'ai de l'avenir ici. Et je connais pas les intentions de Peter, mais peut-être qu'il va te garder. De toute façon, Rachel fera pas de temps plein. On sait jamais, hein, le vent peut tourner. C'est vraiment de bobsleigh que vous parliez tout à l'heure? Non. C'est mon voisin qui va absolument faire un threesome avec une autre fille. Il y en a qui se sentent plus à l'aise de faire ça avec quelqu'un qu'ils connaissent. Si t'as envie que ça soit avec moi, fais-moi signe. Ben, je sais pas. Il y a une oreille plus grosse que l'autre. Je lui ai demandé un corps. Il m'a fait une tête. Pas de bras, pas de tronc, pas de jambes. Dans sa façon de se représenter, il rejette son corps. C'est quand même juste de la plastine. Non, mais c'est l'inconscient qui parle. Avec deux dessins, un bon psy est capable de vous dire si un enfant a des problèmes familiaux. Ben, concrètement, là, ça implique quoi? Mais il sera jamais satisfait. Pour l'instant, c'est les mollets, mais dans un mois, ça va être les abdos, les fesses. Ça n'arrêtera pas. C'est pas pour rien qu'il vous a menti sur son nombre d'opérations. Oh, c'est un cas de body dysmorphic disorder. Oui, dans le genre. Mm. Ceux qui souffrent de ça veulent tout changer sur leur corps parce qu'ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Il n'y a aucun contact avec sa virilité. C'est un lion dégriffé. Il essaie de domestiquer sa masculinité en la réduisant à l'état de faux muscles en plastique. Il est plutôt sportif, c'est même un coach de tennis. Mais non, c'est de la bullshit, ça. Il est pas plus prof de tennis que moi, je suis championne de mini-pot. Il savait même pas qu'un bon service atteint facilement 100 km/h. Oh, excuse-moi. Jean-Marc Roger? Ah, il y a une place qui vient de se libérer. Parfait. Oui, à jeun. Je connais la routine. Merci. Je me fais apposer un pacemaker demain, ça pouvait pas mieux tomber. Avez-vous un conseil à me donner, madame la détective? Un nouveau cœur, une nouvelle vie. Êtes-vous prêt à faire le deuil de l'ancienne? Ça dépend de quoi. Ah! Comment
ça s'est passé, l'opération de Rosalie Tremblay? A walk in the park. Mm-hmm. Merci pour ton message d'hier. Merci. Il était tard, hein? Il était sorti? Promener Gaston. Mm-hmm. Sans faire un bébé, il faut qu'il sorte souvent. Mm-hmm. Justement, je pensais à ça. Tu sais, si j'avais une clé du condo, là, la prochaine fois que t'as un meeting qui finit tard, je pourrais aller m'occuper de Gaston. Ouais, avec lui, j'ai l'impression qu'on a un petit quelque chose de plus en commun. C'est pas bête. On s'en reparlera. Ça fait du bien de pas se voir hier. Hein? C'est bon de prendre l'air une fois de temps en temps. Ça nous permet d'apprécier ce qu'on a. Ouais. Excuse-moi. Il faut que je vois Solange et deux mots à lui dire. Moi aussi. Pour ce qui est du Botox, là, pour le 3000 $, justement, j'ai pensé, garde ton argent. La clinique, elle va absorber. J'aurais jamais dû accepter ta proposition. C'est une mauvaise idée dont j'ai un peu honte. Pardonne-moi. Faut seulement, j'ai peur d'être trop fine puis de faire profiter de moi. C'est pas grave. Ça se guérit. Oh. Allô, je te dérange? Non, non, j'étais en train de défaire mes bagages. J'ai regardé mon courrier. Alexis n'est pas encore rentré de l'école, là? Il faut que je te parle. C'est important. Ben, je t'écoute. Je suis amoureux de toi. Comme avant. Comme quand on s'est rencontrés. Quand je t'ai vu arriver hier, mon cœur s'est arrêté, mon estomac était tout à l'envers. Il n'y a aucune femme au monde qui me fait ça. J'en meurs. Écoute, j'ai fait des gaffes, mais j'ai fait le ménage dans mes histoires. Je peux changer. On s'est mariés pour le meilleur puis pour le pire. Donnons-nous une deuxième chance. Je t'aime. J'aimerais ça tout effacer. Faire comme si c'était rien passé, mais je suis pas capable. Puis je pense aussi que t'es pas capable de changer. Ben, je peux au moins essayer. On change pas, voyons. La seule façon pour moi de vivre avec toi, ce serait de t'accepter comme t'es infidèle, puis frivole. Je suis pas prête à ça. Je rêve encore d'un homme qui va m'aimer à temps plein. Mais je peux encore être cet homme-là. J'y crois pas. J'y crois plus. Si on revient ensemble, je vais passer mon temps de surveiller. À m'imaginer le pire. Je vais voir toutes les autres femmes comme des rivales. Je me trouve trop jeune pour être amère et aigrie. Tu veux dire que nous deux, c'est fini? On est libre. Tu fais ce que tu veux, puis moi, je fais ce que je veux. Hey, man! Ben! J'ai eu un A en français. Oh, félicitations. Ben oui. Bravo. Pourquoi on va pas manger les trois ensemble pour fêter ça? Tu restes au chinois, tu pourrais me faire goûter à des trucs que tu mangeais là-bas? Je viens d'avoir un appel de l'hôpital. Ils vont installer mon pacemaker demain matin, alors on va remettre ça. Hein? Ça, c'est toi, Bernard Morel. Oui. Écoute, on jouera pas de game. Je suis pas ici pour devenir ta meilleure amie ou la petite sœur que t'as jamais eue. Mais là, t'es pas obligé de devenir ma pire ennemie non plus. Je pense que tu réalises pas le bordel que t'es en train de foutre dans nos vies. Où ça? Dans les vies de qui? Jacques est un homme fragile. Il a vécu des choses difficiles. Depuis que t'es rentré dans sa vie, c'est plus le même homme.
OK. Et comment? Il est plus heureux? Plus malheureux? Plus heureux. C'est ça qui m'inquiète. Explique-moi. Papa a eu deux dépressions majeures. Il était hospitalisé en psychiatrie. Il est resté plusieurs mois. En ce moment, il flotte sur un nuage, mais le stress est grand. Il se met beaucoup de pression par rapport à toi. Il veut te plaire. Il veut que tu l'aimes. Pour toi, avoir un nouveau papa, c'est comme avoir un nouveau jouet, mais pas pour lui. J'ai peur de ce qui va arriver le jour où tu vas te tanner. Jane, mon désir de renouer avec lui n'est pas aussi superficiel que tu penses. Je veux pas un père pour deux mois, là. J'aimerais savoir un père pour la vie. Puis un grand-père pour William. Plein de choses que tu sais pas sur Jacques. Peut-être que si tu les savais, tu serais moins content de le connaître. Sa vie a été compliquée. Il y a des choses graves qui sont arrivées. C'est un homme brisé. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. Bon, là, je comprends pas. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Le laisser tranquille. Desrochers est atterré par les événements tragiques. Le chagrin et la culpabilité sont le lot de tous. Dans un moment, nos étés.